Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont sur la chaîne Parler Haïti. Et si on a le plaisir d'une autre occasion, je vais tourner sur la plateforme là, avec une autre émission, une autre nouvelle en détail. Voilà mes crimes, voilà mes insécurité. Et il y a un crime qui est fait aujourd'hui, voilà mes aujourd'hui vendredi 9 juillet. On allez. Bien bonne matin, vendredi 9 juillet, moun nan zone Cité La Lumière. Cité La Lumière qui nan bas au nightclub, nan voilà mes. Eh bien, yo levé jwenn yon individu moun pa rive identifié, raché avec coup de manchette, yo remarqué visage l'écrasé, personne nan cité a pa reconnaître et citoyen c'est là qui mouri. Eh bien, nan moment machine insécurité a taillé banda nan quatre coins pays a, côté aucun moun pa épargné, madame messieurs citoyen ka vive nan zone Cité Lumière nan commune Wanamet, jwenn yon jeune garçon bouche sous dos li gen yon pantalon blé sous li avec yon maillot à bas. Eh bien, corps victime lan filangé avec coup de manchette. Yon rachel, timoso par timoso. Eh bien, n'a fait remarque. Eh bien, ça, c'est pas la première fois Zak Sayo a répété dans la commune Wanamet. Plusieurs citoyens, même à poser cette question, li qui utilité responsable PNH là dans la commune Wanamet. De toute façon, madame Bessé, c'est gros cause. C'est crime qu'a fait chaque jour dans Wanamet, yo levé là un jeune garçon yo pas arrivé identifier et yo pillé yo arraché avec manchette timoso par timoso. Eh bien et juge de paix pour arriver dans local là pour capable faire constat légal capable retirer et bien et jeune garçon ça et yo arraché fait timoso par timoso madame Bessé, c'est gros cause. Eh bien, il y a une mobilisation tout, matin tout, dans Wanamet, eh bien, après, dans le département nord-est, pays là, avant nous aller l'autre bail, l'autre information. Il y a chaque bouteille a tiré, caoutchouc a brûlé dans plusieurs rues dans le centre-ville Wanamet, eh bien, transport en commun paralysé, bloqué, eh bien, raison qui fait ça. Parce que il y a pile dans yo qui a demandé justice pour le président, eh bien, il y a pile tout, eh bien, qui fait connaître l'état est doué par Jean Pélo, qui veut dire son manifestation qui mélange madame Messi. Et moi-même, je vais réaliser, nous allons aller. Et vraiment, vous m'avez regardé, c'est un pile haïtien qui est tête ensemble. Malgré Jean du camarade, un pile haïtien qui est tête ensemble, dans ce sens. Je vais expliquer dans quel sens je dis ça. Je vais regarder là, même les gens qui ont manifesté, et je parle des militants. Et m'a parlé de peuple là et pas y a politicien non pas politicien là depuis président mou ou bien tout ça mou yo content parce que politicien yo pareil mais politicien pareil yo c'est ça qui fait pays a dans état là et vraiment vrai madame Bessé, si nous avons bien gardé réaction peuple là face avec étranger yo yo dit que c'est mercenaire avec dans dossier l'ambre président Jovenel Moïse peuple là pas de problème avec un président pour ça m'a gardé dans l'arrière. Ouais, peuple là, yo entendu, yo metti tête yo ensemble pour aider la police chercher bandi criminel mercenaire qui fait crime ça sous président. OK, peuple là gen problème avec moun qui pas veulent vivre. OK, peuple là juste besoin vivre. Ouais, peuple haïtien besoin vivre. Depuis peuple là besoin je ne manger pour le manger camarade peuple là tranquille. OK, li besoin au minimum yon politicien qui doit prendre ça comme leçon. Un politicien qui comprennent peuple là et qui comprennent sa peuple a besoin sa pays a besoin. N'a regardé là même monde qui qu'on a manifesté, même peuple qui qu'on a manifesté pour demander président aller, c'est même peuple ça qui campé qui a demandé justice pour président parce que vraiment vous mettez tête ensemble avec la police pour aider la police en pile non mais c'est ça aussi peuple là qui vient yo. N'a regardé bon camarade que les Tibène pas de passer un jour pour pas parler pour pas parler et des questions pays a mal dirigé. Quand les Tibène Konya, c'est monsieur qui campé, l'a cherché mercenaire avec nous dans la rue. Qui veut dire, peuple haïtien, pile là, nous sommes ensemble. Si nous sommes ensemble, ça m'a gardé nous la belle et solidarité. Ça. Si nous sommes pour nous marcher pour un bandit, mon cher, l'insécurité a pris un résoudre déjà. J'aimerais que le peuple mette tête ensemble, l'a cherché mercenaire. Si nous avons même tête ensemble, ça l'a mette à chercher bandit dans le village dédié, grand ravine qui fait crime. Insécurité a garanti nous t'a pritan résoudre déjà qui veut dire peuple là capable mais yo pas vle yo pas vle aider fait travail là. OK, eh bien madame Bessé m'était promettre nous ça m'dit ouais émission ça m'a fait là n'a toujours tenté voir président. OK, n'a toujours tenté voir président. Entendez ça, entendez ça.
janvier 2018, son résolution m'oblige à prendre un conseil des ministres. Depuis ce côté gouvernemental de acheter asphalt, il est bloqué. En janvier, je me dis, bon, ok, bon, nous n'avons pas de problème. Comme moi, asphalt, là, nous, dans tout le pays, il n'y a pas de problème. Nous prenons résolution au Conseil des ministres, tout le ministre nous dit dorénavant, des points asphalt viennent dans le pays. C'est l'État seulement qui doit commander asphalt. Et puis, même côté, à moi, asphalt qui arrive, bao! C'est le projet sous lui. Asphalt là pas son moins embasé. Même nous connaissons, service d'intelligence, je ne sais pas si je vais marcher. Chaque jour, je prends une nouvelle. Gros démarche à faire contre le ministre des Finances. Mon dernier démarche qui fait, ministre Finance a dit, regardez, si vous avez besoin d'asphalte là, mon frère, à côté du premier ministre. Je dis, non, non, je suis à côté du premier ministre déjà. Je dis, mon cher, je suis à côté du président. Je dis, non, pas parler de moi. Après 42 jours qu'asphalte là bloqué, moi, mon ami, on nous compte pas. Passez pas pour dire, président, mon cher, bon problème, parce que mon contrat, que mon compagnie là, il n'est pas qu'à fonctionner, parce que l'asphalte est bloqué, mais l'être que l'écrit, que l'État haïtien a pénalisé, il me dit pénaliser l'État pour qui ça? Il me dit non, l'État a bloqué l'asphalte. Il me dit qu'il y a asphalte. Il me dit, j'ai un asphalte qui est commandé, il me dit pour de facture avant moi. Facture avec 8 jours, le bagage est venu jeune moi. Parce que, maintenant d'acheter asphalte depuis 8 mois, je ne vais pas jouer. Faut moi qui vais le sortir. C'est pas sous masse ou bien sous. Non, la lune asphalte là, je dis. Quand vous portez facture, asphalte que l'État, femme dit nous, pour nous comprendre que nous avons acheté peut-être 200 000 gallons à $3,85 par gallon. 200 000 gallons, ça veut dire, même asphalte ça, moi, sous facture, il a acheté là $1,27. Ça veut dire, moun fait $2,50, $2,48 sous chaque gallon asphalte. Ça veut dire, l'État qui besoin 1 million de gallons asphalte par mois, ça t'a fait, c'est 2,48 multiplié par 1 million, ça fait $2,480,000 on rien moun fait après 4 mois. Pas vrai? Mais problème, pays. T'as dit, moun sa qu'on y a, ou décide, ou dit, mon chef, mon camp, pour pas qu'à faire comme ça, faut l'État, j'ai sortant de la président, bon pour moi. Mais problème, pays. Mais pour nous comprendre, baptiser très bien, parce que je vous dis, après le résultat que nous avons fait, il faut commencer à parler. Parce que Jean-Balaïa, il est grave en pile. Problème de monopole, problème de surfacturation, problème de trafic d'influence, lutte d'intérêt, il est grave en pile dans l'État. Moi, je voulais faire parler ça avec nous sous. Jean nous est que l'État aujourd'hui, problème que nous avons pour nous arriver, mettez-le au service du peuple à tout bon vous. Nous sommes gardés dans la vidéo 30 minutes là, dans la vallée de la Tibonite. Nous tendons sur les réseaux sociaux, pas grand-chose à faire dans la vallée. Et pourtant, la vallée de la Tibonite. Là, nous arrivons, en mai 2017, nous construisons plus de 242 km entre route et protection berge. Il y a des gens qui sont allés à la classe, ça veut dire qu'on nettoie un canal, il faut faire berge, il faut faire route sur le côté berge. Nous travaillons, nous mettons 12 coopératives, coopératives là qui s'allient parce que nous sommes dans la vallée, nous sommes dans un quartier, ça veut dire qu'il y a 2500 m2 et puis ils travaillent pour contre lui. Nous faisons toutes mes têtes ensemble. Chaque ton bloc réunit 500 hectares, nous disons, nous subventionnons 5 tracteurs agricoles. Ça veut dire, l'État, bon, 5 tracteurs collaborateurs, et l'État subventionné, ou sous tant de monsieur, je dis ça là, tout en gré, parce que en gré, l'État subventionné le boulevard 850 gouttes, gonseille de gros nègres. Ça va nous valer, non? Qui eux même c'est eux qui prennent grain dans l'État. Et puis, ils vendent malheureux à 1500 gouttes. Ils disent, sous chaque sac en grain, ils font 650 gouttes. Et ce n'est pas un sac, ce n'est pas 1000 sacs, ce n'est pas 10 000 sacs, non. C'est plusieurs centaines de milliers de sacs. Vous voyez comment on est fait, non, c'est les récoltes. Parce qu'il y a un ministre. Si pas un monde qui a fouillé bouche dans le bagage,
pour moun sa yo qui moi-même moi relé yo les oubliés de la République. Moun sa yo que tout moun oublié net. Pas moun moun qui cherchait pour protéger. On voulait parler de maman nous, grand nous. Papa nous, grand papa nous. C'est pas qu'on moun aujourd'hui a qui décide qui dit pour protéger. Nous pas même cap rêver développement. Allez ouais, pour nous parler de lui. C'est pour ça nous valer. Hein? Non seulement moun sur nous ba tracteur, depuis ou mettez tout ou créer une coopérative légalement ou une coopérative agricole qui a 500 hectares. Par exemple, bloc ça nous saute garder à la qui c'est bloc 6, il y a 1700 moun qui mettez tout ensemble, 1700. Nous baillons 5 tracteurs, nous elle le pour te récolter du riz tout. L'État a deux machines pour récolter du riz. Nous avons machines pour récolter du riz. Faut me parler nous de tout. Gonzan mi l'homme dit m'ta rien fait moun dans bloc 6 une surprise parce que moi ouais que on belle production, on belle productivité dans quantité du riz. Que rapport que m'y ait fait. Il dit monsieur dit ma président machine ça c'est machine qui coûte cher en pile. M'dit coûte cher qui pour coûter comme ça. M'dit $300,000 chaque. Ça dit deux machines non t'as poussé $100,000. Nous dit bon comme moi même pas avec internet fait pour tout le monde. Nous dit monsieur côté modèle là moi. Avant mal dormi alors habitude là si m'dorme avant première dame nan toujours entrer sous print puis pour le réveiller et puis m'a font une recherche sur internet là parce que monsieur voyait papi avant moi m'a regardé moi machine nan même modèle là monsieur dit non mais machine j'ai c'est sur Japon pour aller chercher le président et puis moi même modèle là me chercher dans toute Caraïbes là qui dit le gain moi République Dominicaine gain machine là nous connait qui machine là République Dominicaine l'écoutez $46,000. Ça veut dire, monsieur devait $600,000 pour deux machines, m'acheter deux machines pour 92,000 $. Machine, ça, on voit là, tu as coupé du vieux. Mais, quelle situation, pays, là, là-dedans? Ça veut dire, vous obligez, jour, clair, la journée, qu'on l'ennuie, toi, avec vous. C'est pour me dire, nous, bah, y'a grave en pile, dans les affaires. Surfacturation dans le pays. Ça, c'est une auto. Maintenant, leur machine comme ça coûte $46,000. Ça veut dire coûter plus ou moins 3 millions de gouttes. C'est normal. Les subventions du ministère de l'Agriculture pour nous travailler pour que chaque bloc yo, nous soyons capables de travailler pour chaque terre pour récolter. Mais depuis le côté. Voilà, madame, messieurs, et bien c'est comme ça. Parce que ça, il faut qu'on fasse notre vidéo, vous comprenez? Mais c'est là, oui, on peut nous parler de l'importance de la bataille sur la CAP menée, la présidente de la CAP menée, vous comprenez? Parce que moi-même, je suis là, dans le même là, tout dans d'autres archives là, et je ne peux jamais faire assez, je peux toujours attendre. Ok? Et bien, on a là. Et DCPJ présente 15 mercenaires et sous 28. On a attendu. Ok, il représente 15 mercenaires. Attendez, il se parle pas de là. Nous disons 28 assaillants, 26 Colombiens, 2 Haïtiens américains. Parmi les 26 Colombiens, nous avons récupéré 15. Il y a 3 qui stoppaient. Et il y a 8 qui ont cherché activement. Et les 2 Haïtiens américains, Yola, ils ont été récupérés. L'enquête a continué, l'autre Zamio, l'autre matériel, Yola, nous montrons quelques là-bas. Donc ces chiffres sont gagnés, on communique. Mais la partie la plus importante, il y a 8 qui sont toujours en cavale, la bande de population accompagne nous, pendant que la police a renforcé la technique d'enquête. Technique de recherche pour le cas retrouver. Depuis 48 heures de temps, pour avoir une réponse à France, des étrangers qui rentraient sur le territoire, assassinés lâchement
notre président de la République. Police nationale, après instruction de l'autorité, mobiliser tout effectif pour le stopper les criminels qui viennent s'y mettre sur le territoire. C'est comme ça que toute unité spécialisée, soit BIM, BOI, URGPL, USP, pour ne citer ça seulement, nous mobiliser depuis la première minute d'attaque là pour nous donner une réponse. C'est ça que fait nous avons dit aujourd'hui, nous avons présenté à la population aujourd'hui à sa alliance à eux. Il était 26. Nous récupérons 15 là-dedans. Mais 26 Colombiens. Nous identifions avec passeport des ressortissants de la Colombie. Et il y a deux Haïtiens américains là-dedans. Il y a là, avec matériel que ont commettre assassinat, zamio, valisio, machine qui ont monté. Nous récupérons des CPJ à continuer l'enquête judiciaire pour nous remettre la justice. 8 autres qui sont en cavale, nous avons cherché, nous avons demandé appui à la population pour tous 26 assassins, la police, retrouver et remettre la justice. Je vous rappelle que la première partie de l'enquête, l'enquête administrative, au niveau de l'inspection générale, il commençait déjà pour nous rendre dans nous ce qui passé. Et M. Sao, ils sont au nombre de 17. Les autres 8 sont à cavale. Il a demandé aux populations de continuer dans une collaboration. Le nous retrouver, remettre dans la police, pendant que la police, les mêmes tout, l'a fait recherche par là. Famille présidentielle pour aller joindre justice. Pays pour aller joindre justice. Et nous faisons avec propre force par nous, avec détermination policière, qui des citoyens à part entière qui voulaient défendre le pays en suivant, en respectant le mandat, serment que le TPT, c'est protéger et servir la population avec moyens que vous avez à disposition.